Et bonjour à tous les amis, c'est Michael Samouraï. On se retrouve aujourd'hui pour un colis que j'ai reçu. Alors, c'est pas le moment, d'obsonner, car aujourd'hui il y a quelque chose de gros dans ce colis. Et c'est la next gen, les amis. C'est la next gen. Alors on va découvrir c'est quoi le colis. Mais je pense que vous doutez c'est quoi si vous avez vu le titre de la vidéo. Alors hop, donc on ouvre ça. Hop. Je vais faire attention. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La next gen. La next gen. La voilà. La Xbox Series X. Donc on regarde derrière ce qui est marqué 4K 120 FPS ici. On voit pas très bien. On voit pas très bien. Merde, mon verre qui a failli tomber. Le 4K 120 FPS. Voilà. Et ici derrière on a Halo derrière. Mais non, mais Halo quoi. Mais le jeu n'est toujours pas là alors qu'ils le mettent. Super. Il y a mon verre qui tombe. Je vais boire ça parce que parce que j'ai été malade. Et donc du coup ici je prends un Apalga parce que j'ai un peu des crampes dans la tête. Je vous avoue. Le jeu c'était pas très très bien. Bon, donc on va ouvrir ça. C'est dommage que j'ai pas une genre de table ou pour qu'on puisse voir parce que ici vous voyez pas très bien ici hein. Voilà, on voit comme ça mais. Je réfléchis voir s'il n'y a pas moyen de vous proposer ça quelque part d'autre. Il y a qui ici hein. Il faut que je branche le micro en bas et ça n'a pas le faire non plus. On va faire comme ça. Crève de chaud. Donc je vais enlever ça. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Mode babla, c'est parti. Voilà. J'aurais dû prendre un couteau au lieu d'un ciseau. Ouais. Oh putain, j'ai pas envie de déchirer la boîte. Je n'ai pas envie de la déchirer. Voilà. On va essayer de faire ça correctement. Elle est bien tenue, la Xbox. Hein. Oh merde, j'ai déchiré le carton. On va voir à quoi ressemble la bête. Et c'est compliqué à enlever, hein. Évidemment, il y avait encore un papier collant. C'est bon, c'est facile. Ouais, c'est bon. Ok, ok. J'ai l'impression que je crois savoir comment il faut faire. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, en fait, elle est collée. Ah, j'aimerais pas qu'elle tourne. Hein. Bon, attendez. On va faire autrement. Putain, j'ai ouvert ça vraiment, mais comme un cran. Quoi. Ah merde, on a sonné. Du coup. On va tout sortir comme ça va être plus facile parce que voilà, je reviens. Je passe pas de la tête. Et là la fameuse Xbox. Oh, elle pèse déjà son poids. Elle pèse déjà son poids les amis. Je savais que je vous ai vraiment dit. Mais donc 4K 120 FPS, 8K HDR, bon, c'est sur papier le 8K HDR. 1TB, VR, 4K Blu-ray. Le 8K c'est pas encore pour maintenant mais. Voilà, ce sera dans le futur. Voilà la fameuse machine qui est bien emballée. Bien lourde quand même. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Elle est belle la machine. Elle est très belle. Merde, je suis en train de déchirer le. Waouh. Ah ouais, non, franchement. Elle est très 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 belle. Franchement je kiffe. Je vous la montre. Hop. Voilà. Peut-être que je ferai un gros plan sur la console. On retrouve ici deux USB SSD. On retrouve le câble d'alimentation. Le câble pour internet. Ici. Un stockage externe pour dans le futur. Hein, parce que. Enfin, on n'aura jamais assez avec un T-Buy quoi. Et le cap HDMI.
franchement, ici, là, la petite boîte idée, là, ça s'allume en vert. Hein. Alors, c'est câble USB, ici, juste ici. Et le bouton pour allumer la console. Et l'autre bouton pour sortir les CD. Quand on dit que les consoles pèsent son poids, bah oui, oui, c'est vrai qu'elles pèsent leur poids, la Next Gen. Le petit câble d'alimentation, le câble HDMI. Donc maintenant, il faut le HDMI 2.1 maintenant. Et la manette. On va un peu voir la manette. Parce que c'est la même, mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui changent un petit peu. On va voir ça. Les piles, évidemment. Il serait temps d'arrêter un peu les piles. Et voyons voir. Ah ouais. Bah en fait la manette est très belle. J'aimerais bien comparer avec une autre manette là, ici. Que j'ai ici. Bah, ouais. Regardez, je vous montre. Voilà. Et alors l'arrière. On retrouve quand même un côté un peu plus granuleux derrière en fait. Donc, comparé à l'ancienne manette de la génération, voilà, ici c'est, ça c'est l'ancienne. Ici c'est moins granuleux. Et c'est vrai qu'elle se tient un peu mieux en main que la première. Les joysticks sont plus. Un peu plus durs aussi. Ça fait un peu plus réaliste. Et ici il y a la petite touche ici en croix qui fait un peu du bruit. Je vous avoue que ça fait un peu du bruit. Mais quand on regarde l'autre ça faisait quand même un peu de bruit, mais ici un peu plus. Voilà. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, sinon la manette est belle en fait. Hein. Là, franchement, il n'y a rien à dire sur la manette. Hein. Elle se prend bien en main et tout. C'est juste que c'est un peu la même comparé à celle-là, mais bon voilà. Alors on va tester ici les touches. Ok, je regarde ici pour voir. Quand on touche ici les touches RT et LT, bah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux quand même, je trouve. Non, franchement, c'est beaucoup mieux, franchement. Je reteste. Il n'y a pas de grosse différence, mais. On sent quand même qu'ils ont fait un petit quelque chose à ce niveau-là. Ça se prend mieux. Ouais, ça se prend beaucoup mieux. Franchement, c'est top. Il ne doit pas avoir plus que ça. Bah, hâte de tester ça. Franchement, ça va être top. Bah voilà, on va se retrouver prochainement pour tester la nouvelle Xbox Series X. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On va voir un peu la rapidité de la console, on va voir le quick resume. Abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, très 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 bonne journée. Allez, matane. I'm